Merci d'être avec nous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. C'est un spécial théâtre aujourd'hui avec Betty Tautel, auteur, metteur en scène et actrice. Merci Betty d'être avec nous. Merci Lynn. Merci pour ton invitation. Alors, lorsqu'on parle de théâtre au Liban, on ne peut pas ne pas vous mentionner. Euh, vous avez un parcours euh, dont nous allons parler tout à l'heure, un, un parcours qui est très très riche. Mais j'aimerais commencer par votre dernière pièce, Monopose, qui est votre dernière création théâtrale dans laquelle vous jouez euh, actuellement euh, au théâtre Tournesol. Oui. Alors, euh, Monopose, c'est l'histoire d'une femme. Qui disparaît volontairement. Donc elle décide de prendre une pause, elle coupe euh, toute connexion avec l'extérieur et se réfugie dans une maison euh, à Pramdon. Euh, J'ai choisi ce village pour des raisons que vous comprendrez dans la pièce. Et, euh, et donc euh, là-bas, elle va croiser un personnage, un monsieur, Abou Khalid. Je ne vais pas euh, expliquer le comment du pourquoi, mais c'est un huis clos entre deux personnages. Euh, c'est une femme qui cherche à faire une déconnexion, donc qui recherche la solitude, et un homme qui fuit la solitude. Voilà. Et c'est la rencontre de ces deux personnages, mon oppose. Et, euh, et euh, c'est une comédie C'est une comédie, c'est une comédie sociale, mais bien sûr, c'est-à-dire que les gens qui suivent mon travail depuis des années euh, savent parfaitement que je travaille beaucoup plus la tragicomédie. Le fond est toujours triste, le message est toujours poignant. Il y a des moments très touchants. J'essaie de mêler les, les rires aux larmes, mais en gros, c'est-à-dire que, euh, on va dire, euh, l'identité de la pièce vire vers le, euh, la, la comédie, bien sûr. Alors Bati, euh, euh, vous aviez l'habitude de, de produire euh, énormément euh, de pièces les dernières années, et puis il y a eu cette pause. Euh, cela fait plusieurs années euh, qu'on qu ne vous a pas vu sur scène, qu'on ne vous a pas vu euh, euh, diriger une pièce. Pourquoi cela Parce qu'il y a eu quand même quatre ans, quatre années euh, <laughs> qu'on ne peut pas euh, digérer facilement de un. C'était pas vous, c'est-à-dire que ma disparition. Dans la vie, ne fut pas volontaire. C'était indépendamment de, de tout ce que je pouvais faire. Donc, euh, en 2020, euh, nous étions en pleine euh, représentation de Couloir du Farage, ma création théâtrale qui avait été qui était prévue pour 2019 et donc qui avait été ajournée à cause des événements de la révolution, etc. Et euh, ma manière à moi de militer, c'était quand même de de faire le opening de Couloir Le Farage le 13 février 2020. Je n'oublierai jamais cette date. Euh, on n'a même pas complété la quatrième semaine. Et bien sûr, on a confronté euh, tout ce qui se passait dans le pays, mais surtout le, euh, le Covid. Euh, la Covid. Je ne sais pas pourquoi j'insiste que ce soit masculin, mais bon. Euh, et puis, oh, donc il y a eu la pandémie et on a été forcé d'arrêter le spectacle qui marchait très, très bien. Et j'avais une très grande équipe de 18 acteurs et techniciens. Euh, J'ai essayé en 2023 de réunir tout ce monde pour reprendre Couloir Le Farage parce que c'était quand même une plaie qui était restée ouverte. J'avais ressenti ça comme une amputation. C'est très dur de devoir arrêter un spectacle alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et on avait tout laissé sur place et le décor et les accessoires. On pensait que c'était une question d'une ou de deux semaines. Et puis, euh, on est rentré dans ce tunnel, dans ce fameux couloir qui n'a pas du tout abouti au farage. Donc, euh, j'ai mis quatre ans pour pouvoir réécrire. Pourquoi Parce qu'il y a eu quand même des événements qui n'étaient pas faciles à digérer. Euh, il y a eu le Covid, il y a eu euh, l'explosion du port de Beyrouth. Euh, J'avais été particulièrement et euh, directement atteinte avec ma famille, ma mère, les maisons. On avait perdu la maison, le bureau, etc il y a eu aussi donc l'effondrement de la monnaie déjà. on avait commencé ça en 2020. et euh, il fallait, il fallait euh, affronter tout ça. et c'était pas facile. Euh, j'avoue comme beaucoup de, de libanais, euh, j'avoue avoir fait une dépression comme tout le monde. j'étais chez moi, euh, entouré des caisses dans lesquels il y avait les, les, les flyers et les brochures de ma pièce, couloir le farage, les tickets et tout ça. Et j'ai dû attendre quatre ans pas par euh, parce que je, je pas, par je, choix, pas mais... Par choix mais parce que aussi pour écrire. Je, euh, Lynn, vous savez comment je m'inspire de la réalité, de, de tout ce qui se passe autour de moi. J'avais l'impression que la fiction dépasser la réalité. Qu'est-ce que j'allais pouvoir écrire Qu'est-ce que j'allais pouvoir inventer Alors que ce que nous vivions dépassait, la dépassait tout, euh, tout entendement, tout, toute conception humaine. Donc euh, j'ai pris du temps et les gens me posaient cette, tellement cette question. Pourquoi tu as disparu Où tu es Ou pourquoi tu n'écris pas On t'attend. C'est quand la prochaine pièce les gens me parlaient comme, comme s'il n'y avait strictement rien eu, comme s'il y avait un déni des quatre. Mais non, on ne peut pas. Donc, je ne pouvais pas, j'ai pas pu dépasser ça facilement. Et puis, le jour où j'ai décidé de ne plus enterrer ma carrière, parce que c'était soit enterrer sa carrière théâtrale, soit quand même reprendre. Et moi, je ne sais rien faire d'autre. Je sais écrire, euh, jouer. Et mettre en scène. Et vous le faites très bien, donc <laughs> il ne si. faudrait pas changer. <laughs> voilà. Donc, euh, en 2023, j'ai en été, au printemps, j'ai décidé que je devais absolument faire le deuil de Couloir-le-Farage, quitte à la rejouer dans quelques années, peut-être, éventuellement. Euh, restreindre, enfin, travailler, parce que c'était une équipe énorme. Vous voyez là les photos. On voit donc, les images derrière voilà. vous, c'était… Une grosse production. Beaucoup Et donc, de travail. Hein. Beaucoup de travail. Ça, c'était un an, 14 mois de travail, couloir le Farage Et donc, euh, j'ai décidé d'écrire de... autre chose. Et euh, je me suis inspirée un petit peu de la question que tous ces gens me posaient Où est-ce que tu es Pourquoi tu as disparu Et euh, j'ai pensé pourquoi je n'écrivais pas l'histoire d'une femme qui disparaît volontairement Voilà. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous posait <laughs> cette question parce que on voulait savoir d'où venait euh, cette idée de, de monopose. Donc c'est vraiment cette pause par laquelle vous êtes passée vous-même et, oui. et de nombreuses autres personnes d'ailleurs, parce que Absolument. Euh, on, on a on a mis notre vie entre parenthèses entre la crise et le et la pandémie euh, de la Covid euh, pendant près de quatre ans. Absolument. Et c'était une pause forcée et euh, j'ai décidé d'en faire une pause. Euh, intentionnelle, <laughs> une monopause. Bien sûr, il y a le jeu de mots, parce que c'est une femme qui, est, qui a la cinquantaine, donc qui aussi subit tout, tout, toutes ces transformations, tout, tout ce cataclysme hormonal et, et tout ça, et qui n'est pas en, en, en paix avec elle-même, parce que c'est un bouleversement, un chamboulement euh, difficile, un cap difficile à passer. Et donc, euh, j'ai pensé un petit peu mitiger les... les, 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 les et les, et les... quels sont les, les, les acteurs qui jouent dans la pièce Alors, c'est docteur Jacques Morbot et moi-même. Nous sommes deux acteurs. Et pourquoi Jacques Parce que aussi, j'avais reçu pendant cette période de... de, de Qu'on a beaucoup vu d'ailleurs, Jacques, euh, euh, voilà. a... avec moi, dans plusieurs pièces. Jacques a joué dans Freezer, dans al Jarima, dans al Nasajima. Mais là, cette fois-ci, j'ai écrit le rôle pour lui. Comme je le fais généralement, mais euh, pendant cette pause forcée, donc euh, Jacques avait beaucoup souffert. Il était très fatigué à cause de la pandémie de, de la COVID. Euh, parce que sais, lui était euh, tous parce qu'il était tout le temps dans les hôpitaux, voilà. tout le temps sollicité. Il a enchaîné les nuits et les jours. Il était très, très fatigué. Les interviews, les campagnes de voilà. De, de... Et puis un jour, il m'appelle. Il me dit "Écoute, je vais te demander une faveur." Je dis "Vas-y." Me dit écoute dès que ce cauchemar aura passé j'ai vraiment envie de remonter sur les planches est-ce que tu peux penser à moi je dis écoute ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd je vais penser à toi et euh, voilà il m'a inspiré aussi pour lui écrire ce rôle de Abou dans lequel il excelle vraiment et cela fait combien de temps que la pièce euh, euh, est… Euh... nous avons commencé le 14 mars c'était la première là nous entamons notre sixième semaine ah, nous avons fait des prolongations. Voilà, jouons, c est, c est voilà. Pour les personnes qui ne savent pas, il y a des prolongations pour la pièce Monopose au oui. théâtre Tournesol à ne pas rater. Et je crois qu'il y a de nombreuses personnes aussi qui se, qui vont s'identifier euh, un peu à cette pièce. Énormément. Tout le monde mmh. s'identifie. Euh, pourquoi, Line Parce que, euh, au fait, moi, j'ai pas voulu parler directement ni de la crise économique, ni de l'explosion le, du 4 août, ni de la pandémie, ni de l'effondrement euh, politique, monétaire, etc. Non, non, non. J'ai voulu parler des conséquences sur les Libanais, les personnages. Donc, c'est des personnages qui ont subi tout ça et qui se croisent, qui se rencontrent. Dans un, dans un. Bon, bien sûr, il y a une histoire, il y a un bien début, sûr. un nœud, un dénouement. J'aime beaucoup la structure classique euh, quand j'écris. Euh, il y a un suspense. Et, mais ce qui est bizarre, c'est que quand j'écrivais cette pièce, les personnes qui étaient autour de moi me, me répétaient tout le temps c'est la moins drôle de tes pièces. Et finalement, on s'est rendu compte que non, les gens riaient beaucoup et qu'elle était tout autant <laughs> drôle que les précédentes. Et même plus, peut-être, parce que. Au fait, je pense que maintenant, on ne va pas dire que les gens ont accepté tout ce qui s'est passé, mais euh, on, a, on a été obligés de se résigner. Il y a eu un résignement, il fait. y a eu peut-être une petite réconciliation, on peut, on peut un petit peu en parler en, en rigolant. Je ne pouvais pas le faire. Il y a un an, je ne pouvais pas le faire. Oui, maintenant le temps. Le temps cicatrise les, les plaies. Exactement. Voilà. Exactement. Euh, euh, Bati, vous qui connaissez si bien euh, le théâtre au Liban, euh, nous savons combien c'est difficile pour un metteur en scène, combien c'est difficile euh, pour le monde du théâtre, en fait, euh, de, de, de survivre. Euh, C'était déjà difficile avant la crise. Combien est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Euh, de, de produire, de, de diriger euh, une pièce de théâtre C'est très très dur, d'abord parce que euh, déjà avant la crise, on n'avait jamais eu, eu de soutien. Euh, le soutien de l'État était inexistant déjà. Euh, mais euh, à la limite, avant la crise, on pouvait avoir quelques sponsors. Donc c'était euh, euh, monnaie courante que d'avoir quelques sponsors. Là, c'est impossible nous avons des, des gens qui nous soutiennent ça peut être un, un support médiatique ça peut être on a euh, euh, oui oh, oui prête un, des, et, des ils nous prêtent des objets euh, l'impression des, des bouclettes euh, des affiches etc donc on a des services rendus mais, mais on n'a pas de cash on n'a plus de cash donc euh, j'ai dû produire je produis mes pièces déjà donc, donc vous, mais de là je, de vos cette fonds. fois voilà de mes propres fonds. Et euh, donc, j'avais eu deux projets en 2022, 2023, des petits projets. J'avais été travailler un petit peu dans les pays du Golfe et je ne cache pas que j'ai mis cet argent de côté dans l'espoir et dans le but de produire une pièce. Et donc, euh, ce qui est dur, ce n'est pas le fait seulement de, de, de produire c'est ce, cette angoisse permanente parce qu'on vit dans un pays où il y a une instabilité euh, quotidienne. C'est-à-dire qu'une pièce se prépare des mois à l'avance. C'est huit mois de travail, mon hein. euh, On réserve le théâtre, on s'engage, on fait des down payment. Donc tout ce qui est en amont, enfin se fait en amont, il y en a tout ce qui est préparatif, que ce soit la tour le tournage de la publicité, les affiches, les brochures, les répétitions, le décor, tout ça on le paye bien avant la date de la première. Et donc quand on commence, on n'a qu'un seul but, déjà pouvoir rentabiliser ce qu'on a mis. Et éventuellement, euh, le deuxième but, c'est de pouvoir payer les frais du théâtre et de l'équipe au quotidien. Mais bien sûr, essayer un petit peu de gagner, euh, de faire un petit gain, parce que finalement, c'est mon métier. Et je ne sais pas faire autre chose, donc je suis censée vivre de ce métier. Je suis enseignante et inutile de vous dire ce que sont devenus aujourd'hui les, les salaires des enseignants. On va en parler tout à oh, l'heure. Oui. Euh, mais mais, mais, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'après une, une, une interruption de quatre années, euh, c'est quand même un gros risque aujourd'hui de produire. Parce que un petit, un incident. Je ne veux pas dire petit, parce que rien de petit ne se passe dans ce pays. <laughs> euh, déjà la, la, la semaine passée, euh, bien sûr, il y a eu un, un, un ralentissement par rapport au flux euh, des spectateurs. Il y, a des, il y a beaucoup de gens qui ont voulu ajourner les dates. Euh, donc, mais on a eu du public, on a continué. Face aux événements. Face aux événements, lieu. etc. Mais c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours. Et quand ça va mal. Ça va mal partout. C'est pas parce que je joue au théâtre Tournesol, qui au rond-point Tayoune et Badaro, ceux qui jouent au théâtre Mono aussi, ils sont à côté du ring. Donc eh, malheureusement, les, les théâtres, les quelques théâtres restants à Beyrouth, euh, je sais pas pourquoi, ils sont très proches des fameuses lignes de démarcation. C'est pénible à dire, mais nous, on essaye par notre résistance culturelle et euh, de euh, de supprimer. Ces lignes de démarcation qui sont déjà dans l'inconscient la, dans la euh... des gens, dans la tête. Dans la tête des gens. Euh, oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on se dit aujourd'hui, vous, vous ne gagnez votre vie que grâce à ces tickets, en fait. Oui. Aujourd'hui, le monde du théâtre, c'est comme ça qu'il se Oui, oui. On, on ne gagne notre vie que grâce à ces tickets. Et, et en même temps, les tickets ne peuvent pas être chers parce que vous voulez aussi pouvoir atteindre le plus grand public et qu'il y a quand même une crise économique, économique en, voilà. en cours, euh, en cours au Liban. C'est-à-dire voilà. que là maintenant, tout est devenu aussi cher qu'avant et même plus. Mais nous, on a baissé les prix de nos billets parce que euh, la, la, enfin, le théâtre et la culture, tout ce qui est culturel, doit être à la portée de tout le monde. Nous faisons des prix de groupe. Nous, faisons, nous avons un prix étudiant. Nous avons cinq... Cinq, dans une palette de cinq prix. C'est un éventail de cinq prix. Donc c'est la première fois. Avant, je n'en avais que trois. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui, qui arrivent euh, à la porte et, et qui veulent assister. Et c'est des étudiants de l'université libanaise. C'est des étudiants qui ne peuvent pas. On les fait rentrer. Euh, quand on joue, on a envie d'avoir une salle pleine. C'est ça qui compte. Finalement, euh, si c'était uniquement pour l'argent, on n'aurait pas fait ce métier, parce que tout le monde sait que au théâtre, on est obligé d'avoir un autre métier parallèle. Euh, moi, je suis dans l'enseignement depuis des années. Mais euh, et puis, les gens s'imaginent que ce qu'on gagne pendant un ou deux mois, mais non. Ça, on doit le répartir sur les, les, sur, mois euh, sur, sur les mois de préparation, parce que Bien écrire sûr. un texte aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. Répéter et, et, et donc mettre en scène et tout ça, ça prend beaucoup de temps exactement c'est un très beau message en fait euh, qu'on voit aujourd'hui avec vous. il y a plusieurs tarifs vous essayez de penser à tout le monde parce que le théâtre est aussi un message. c'est grâce au théâtre qu'on peut faire véhiculer de très nombreux messages notamment par les temps qui courent en, en pleine crise. Euh, baty je veux revenir un peu sur votre, sur votre parcours comme je disais au début euh, de l'entretien on ne peut pas ne pas parler de théâtre euh, sans parler euh, de baty Tautal. pour revenir un peu à vos débuts. Alors vous êtes détentrice d'une licence en études scéniques, d'une maîtrise en dramaturgie et d'un DEA en études théâtrales et vous êtes chargée de cours à l'USJ depuis 1999, aussi à l'INBA et à l'USEC. Oui, maintenant, je ne suis plus à l'USEC, à l'INBA. À l'USEC, parfois, je donne des séminaires. Et malheureusement, j'ai quitté l'université libanaise parce que c'était trop de travail et pour les raisons que tout le monde connaît un petit peu. Et pourtant, j'étais très contente. J'aime beaucoup les étudiants de l'université libanaise et il y en a beaucoup qui travaillent avec moi aujourd'hui aujourd même. Aujourd'hui, pour la préparation. Oui, oui, oui. Alors, ma première question concernant votre parcours, comment est-ce qu'on se retrouve comme ça au théâtre Comment on choisit ce métier En fait, je ne sais pas si... J'ai choisi ce métier, ou, ou ce métier m'a choisi honnêtement. Moi, ça avait commencé un petit peu dans le cadre scolaire. Euh, j'étais à Jamou, je faisais partie du club d'art dramatique dirigé par M. Victor H. que je salue. C'était mon prof de français. Et euh, moi, pourtant, j'étais dans la branche scientifique, et, euh, mais j'étais bon élève. Et généralement, ce sont les activités, les activités théâtrales sont réservées aux bons éléments qui peuvent mémoriser et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée un petit peu sur les planches euh, du Collège Notre-Dame de Jamour. Euh, puis je suis rentrée à Liesave en première année. En fait, j'étais rentrée pour faire des études d'audiovisuel. Ce qui m'intéressait à la base, c'était de travailler dans la publicité. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas nécessairement les feuilletons à la télé, mais je suis les spots publicitaires. Je suis fascinée et j'adore ça. Il n'est pas trop tard pour ajouter une petite <laughs> oui, touche euh, aux spots publicitaires. Euh, mais, euh, et donc. Euh, la première année était un tronc commun où j'avais des cours de théâtre et des cours d'audiovisuel, de, donc de montage, de caméra, de, etc., d'écriture de scénario et tout, mais d'écriture théâtrale aussi. Et je me retrouvais, euh, je ne sais pas, euh, je prenais un plaisir fou euh, à tout ce qui touchait au théâtre. Mais, mais alors que ce soit dans le jeu, dans la mise en scène, dans la scénographie, euh, l'histoire du théâtre, j'étais passionnée. Enfin, J'avais fini ma première année en étant majeure de promotion, donc j'avais le choix soit de continuer en audiovisuel, soit d'opter pour le théâtre. Et j'ai quand même opté pour l'audiovisuel. La première semaine, je suivais les cours en audiovisuel, mais j'étais très intriguée et j'étais jalouse de ceux qui étaient au, au théâtre. théâtre. Au bout de dix jours, je ne n'oublierai jamais ce moment. Je monte les escaliers en courant. Il n'y avait pas de, <laughs> il y avait le pas d'ascenseur. Enfin, il y avait, mais il était en panne. Et je monte. On était à, à la rue Uvelin, l'ancien bâtiment. J'ouvre la porte comme ça du chef de département, Monsieur Jalal Khoury. Que Dieu et son âme. Que de très nombreuses euh, personnes euh, oui. qui sont dans le domaine euh, du théâtre euh, oui. euh, admirent. Voilà. Et je dis, écoutez, Monsieur Khoury, je suis pas contente en audiovisuel. Moi, je ne suis pas contente. Est-ce que je peux switcher? Il m'a dit tu as quel âge J'ai 19 ans. Il m'a dit tu as le droit de rêver. Vas-y. Et donc j'ai switché comme ça au bout de dix jours. Et Mais vous n'avez jamais regretté Jamais, jamais. Au fait, je me suis retrouvée à jouer dans les, dans les diplômes de, de toute la promotion. J'ai ensuite été tout de suite engagée avec mes profs Monsieur Michel Jabber, Monsieur Roger Assaf, Monsieur Houri lui-même, Monsieur Alain Plisson. Donc, ils m'ont offert mes premiers rôles et euh, j'étais très assidue, j'avoue. J'étais nerd, peut-être à la limite, mais assidue. une, une suis une, une grande bosseuse. Et j'étais là tout le temps, euh, même quand, je, quand je, on répétait et que je n'avais pas mes scènes à moi, j'étais tout le temps assise à, à observer et un jour monsieur euh, monsieur Assaf me dit un jour tu devras faire de la mise en scène toi parce que je proposais j'étais j'étais pas une actrice passive j'étais une actrice qui euh, avait des idées qui, qui avait des idées voilà voilà chose. et donc c'est comme ça et j'ai été ensuite engagée j'ai fait mes études à l'USJ et j'ai été engagée en tant qu'assistante à mes profs à monsieur à M. Khoury, à monsieur Assaf à monsieur Michel Jabour à monsieur Plisson et j'ai continué donc je suis en charge des cours aujourd'hui et puis tout en étant assistante de vos professeurs vous êtes quand même devenue une figure très connue du théâtre mais aussi du petit écran puisque vous avez participé à des feuilletons à des courts-métrages à des longs-métrages mais toujours cette envie de revenir vers le théâtre oui. et puis euh, Au-delà de comédienne, vous décidez de commencer à écrire et à diriger vos propres pièces qui ont connu un grand succès. Je vais quand même les citer Echerbet Bel Jemmaïze, L'Urba oui. Abnus Jema, passeport numéro 10452, que vous avez d'ailleurs écrit euh, et joué en double version arabe et française, et pas seulement au Liban, mais aussi euh, hors du Liban, oui. notamment à Montréal, en Grèce, en Afrique du Sud et à Paris, ce qui est aussi euh, très compliqué. Ce n'est pas facile du tout de, de, de prendre une pièce et de, et de tourner le monde mmh. c'est aussi beaucoup d'organisation et puis aussi vous avez masrah el jarima et puis freezer couloir el Faraj, oui. euh, vraiment euh, pratiquement euh, chaque année une pièce voilà. oui pratiquement c'était chaque deux ans parce qu'au fait la pièce je la jouais sur deux années euh, facile entre les tournées euh, les régions libanaises beyrouth mais euh, oui, je, depuis 2000, même avant, il y avait eu Who Is Claire Zahnaciens et euh, donc, au fait, l'écriture est venue comme un couronnement de ma carrière de comédienne puis de metteur en scène. Donc, j'avais commencé en tant que comédienne avec plein de, de grands metteurs en scène euh, libanais et étrangers. Et ensuite, euh, vu mon poste à l'université en tant que professeur, je mettais en scène des spectacles avec mes étudiants. Donc, j'ai passé à la mise en scène. Parallèlement, dans mes études, moi, j'ai une spécialisation en dramaturgie, en dramaturgie sorry, donc en écriture dramatique. Et l'écriture, c'est pas quelque chose euh, qui est venu comme ça du jour au lendemain. Non, parce qu'au fait, même quand j'adaptais des pièces au début. Euh, je réécrivais, je, je faisais tout un montage, collage, euh, j'insérais des passages complètement écrits de bout en bout. Et, euh, et même que je mettais en scène des textes qui n'étaient pas de moi. Donc mmh. euh, on me sollicitait en tant que metteur en scène. Et je me souviens, en 2009, j'avais mis en scène une pièce de euh, Maître Oussama Al-Arif, euh, Tiswa Franco. Et donc, euh, comme je travaillais avec M. Laharif, je travaillais énormément sur l'adaptation du texte, et euh, on avait fait un, quand même un travail de quatre mois de travail euh, pour monter cette pièce. Un jour, il me dit il me dit Mais ce n'est pas possible, il faut absolument que tu écrives. Parce que là, je ne reconnais presque plus mon texte. Enfin, mon texte est là. Il y avait des changements. Et surtout quand il a vu la mise en scène, il m'a dit J'entends je, mon texte, mais je ne le vois pas. C'est bizarre euh, euh, comment tu as euh, donné une touche complètement différente, une, une approche différente à laquelle je n'avais pas pensé. Et c'est comme ça finalement que Who euh, is Claire Zarnacien, c'était une adaptation de La visite de la vieille dame de Duran Matt. Mais Echerbet de là j'avais carrément signé mon nom. Tout. Tout. De bout en bout. Donc, texte je, texte mise en et mise en scène. Euh... Et à partir de là... J'avais décidé que non, j'allais, je, je voulais écrire. Je voulais. C'était choix. D'ailleurs, À propos d'écriture, j'ai envie de vous demander lorsque vous écrivez, est-ce que, on se, on se pose toujours cette question, vous vous enfermez, personne ne vous voit, euh, vous allez, certaines personnes se retirent complètement, d'autres non, arrivent à. Euh, comment ça se passe Moi, j'aime la nuit déjà. <laughs> Donc, ce euh, n'est pas que je me retire, mais j'aime la, la, la nuit parce que j'ai j'aime le calme Donc si déjà. on passe à 4 heures du matin en dessous de votre fenêtre oh, oui on va oui voir oui, la oui. Et à la cuisine allumée. à la cuisine particulièrement <laughs> donc euh, non je ne me retire pas mais euh, j'attends qu'il y ait un silence j'aime pas la pollution sonore quand j'écris j'aime que ce soit très calme donc euh, mais j'écris c'est un phénomène très bizarre Il, je peux écrire une scène en trois minutes et pa passer trois semaines sans, sans écrire un seul mot mais ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas dedans je suis une grande lectrice, je lis énormément aussi. Et quand j'ai un sujet en tête, au fait, euh, inconsciemment, tout ce qui touche à ce sujet commence à m'intéresser. Donc je fais, de, de, je fais des recherche recherches, j'écris, de... je, je suis là. Et j'écris en bribe. Ça, personne ne le sait. C'est-à-dire que j'écris parfois la dernière scène avant la première. Mmh. Euh, la... Il n'y a pas un a... ordre non, précis. Non, non, il n'y a pas un fictures. ordre précis. Et euh, j'ai tout le temps comme ça des bouts de papier. Et euh, donc l'idée est là. L'idée, elle me hante des, des mois, des années même à l'avance. L'idée de monopose, elle était latente depuis, euh, depuis même couloir. Euh, mais, euh, mais je ne savais pas comment. Il fallait vivre, la il, fallait vivre. Euh... il fallait la vivre, justement. Il, il fallait, fallait la, 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 la vivre pour, pour la mettre sur papier. et donc euh, ensuite euh, c'est un travail de puzzle. donc euh, et ce que les gens ne savent pas aussi c'est que je n'écris pas tout un texte et que je fais appel aux acteurs. non. j'écris pour les acteurs. j'écris des bribes, j'écris des scènes mais au fait j'ai les personnages en tête et la première chose que je fais quand j'ai une idée de pièce c'est d'appeler les acteurs pour leur demander leur disponibilité et pour leur dire, je vais vous écrire. Est-ce que vous êtes OK pour vous engager avec moi Et donc, à la première lecture, je leur donne une ou deux scènes. Je leur parle de la structure, bien sûr, parce que moi, je sais comment ça va évoluer. Et ensuite, euh, on commence à faire des rencontres hebdomadaires, euh, qui peuvent durer deux, trois mois, puis ensuite, ça peut être deux fois par semaine, puis trois fois par semaine, jusqu'aux deux derniers mois où on répète tous les jours. Mais c'est un long processus. J'aime cuisiner à feu d'eau. Bien sûr, et, et, et je crois que les, les, les spectateurs aiment profiter de, de, de ce plat, on va dire, <laughs> pour rester dans le thème de la cuisine. J'aimerais, avant de clôturer, parler de votre participation pendant de nombreuses années à la Star Academy. Comment a été cette expérience Alors, cette expérience était très valorisante, déjà pour moi et pour le théâtre en général. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous, sommes, nous vivons, du moins moins maintenant, mais nous avons évolué dans une société où ces métiers-là étaient un petit peu mis à l'écart euh, ils n'ont pas, pas vraiment été appréciés ou bien. Euh, ils n'ont pas été valorisés, euh, c'est-à-dire qu'un enfant qui disait à ses parents « Je veux faire des études de théâtre, de mise en scène, de réalisation », c'était euh, « Trouve-toi autre chose, euh, tu peux, pas, c'est pas, tu peux pas gagner ton pain en faisant ce métier-là euh, ». Au fait. Moi, j'ai fait beaucoup de télé en tant que comédienne dans des feuilletons. J'aime beaucoup le cinéma aussi. On vous a vu récemment au cinéma dans la, dans la pièce euh, dans écrite de, par euh, euh, Joséphine Hapché oui, et réalisée non, euh, dans le film euh, « tous, tous les chemins mènent à Rome ».« Mènent à Rome », oui, oui. Et bientôt, il y aura, prochainement, il y aura un, un film « Arzé ». Un nouveau film. C'est bien, on l'annonce comme ça. Fois. Voilà. On l'annonce aux personnes qui regardent. Euh, donc, euh, au fait, ce qui m'a plu dans l'expérience de la Star Academy, c'est que les gens ne savaient pas que c'est tout un apprentissage. Le métier de comédien est un métier noble, que ça s'apprend, qu'il y a des études, qu'il y a une formation derrière ça, qu'il y a une technique d'acteur. Bien sûr, il y a des gens qui sont doués, mais le don ne suffit pas. Et la vraie école c'est l'école théâtrale parce que les gens qui font du théâtre peuvent faire du cinéma et de la télé. c'est le contraire c'est l'inverse qui est plus compliqué. et donc l'expérience de la star academy était magnifique pour moi parce que à chaque fois que je croisais des gens ils me disaient non, on ne savait pas que c'était tellement compliqué mais on ne savait pas qu'il y avait tellement de choses que c'est passionnant parce qu'au fait répéter peut sembler ennuyeux pour un spectateur les répétitions, ce n'est pas très drôle au théâtre, parce qu'on refait tous les jours la même chose. Mais quand je faisais les exercices à la télé, en direct, à la Star Academy, ils voyaient l'évolution de la du scène travail. et du travail, et ils appréciaient. Donc c'est pour ça que ça m'a ouvert beaucoup de portes, bien sûr. Euh, c'est pour ça que j'ai été sollicitée dans les pays du Golfe pour faire du coaching à des acteurs euh, séoudiens dernièrement en 2022. Euh, donc j'ai eu beaucoup de projets comme ça parce que c'était un métier qui était ignoré on, on savait on, les gens ne savent pas ce qu'il y a dans les coulisses dans vous la croyez qu'aujourd'hui encore euh, c'est un peu compliqué de, un peu de, 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 de vendre un peu à ces jeunes euh, le théâtre c'est compliqué Et quel parce... est le message pour les encourager vous qui êtes prof moi, moi, je, moi je dis tout le temps à mes étudiants euh, allez jusqu'au bout de votre passion. Même à mes enfants, choisissez ce que vous voulez. Ce n'est pas le choix du métier. C'est le c est, c est le l'exercer avec passion qui va vous mener à la réussite. Bien sûr, euh, aussi, il y a le plaisir. C'est-à-dire que tout n'est pas euh, pécunier dans la vie. Le plaisir que je ressens, que j'ai quand je suis sur les planches, vaut... Tout l'argent et tout l'or du monde. C'est-à-dire que cette reconnaissance publique, cet amour que je, que je ressens, euh, cette, euh, cette, ces sales combles, tout ça, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de plaisir. Donc le seul message que je donne aux jeunes, moi, c'est de d'assumer de, son choix, donc de le faire par amour déjà, et d'aller jusqu'au bout de sa passion. C'est tout. C'est la seule clé de la réussite. Mais il faut travailler. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, j'étais à deux doigts de baisser les bras malgré toute cette carrière qu'on Et ce succès. On, on, et a voilà. Fait... Mais parce que aussi, nous, sommes, nous évoluons, dans, enfin, je ne sais pas si on évolue encore, mais nous, nous vivons dans un pays qui nous empêche ou bien qui nous met des bâtons dans les roues au quotidien. C'est vrai. C'est-à-dire, devoir tout recommencer, devoir tout reprendre, devoir, même financièrement, euh, remettre les compteurs à zéro à 50 ans, c'est pas facile. Bien sûr, c'est très compliqué mais, mais c'est un très beau message de fin euh, Betty Tautel euh, c est, c est, ça nous montre ça nous encourage à venir voir votre pièce d'ailleurs, votre dernière pièce je rappelle aux personnes qui nous regardent il y a des prolongations pour la dernière pièce de Betty Tautel au théâtre Tournesol, monopause euh, avec Betty Tautel et Jacques euh, et le professeur, je dois dire Jacques morbot euh, nous vous encourageons à aller la voir c'est encore euh, un, un c'est le dernier succès, on va dire, signé par l'auteur, la metteur en scène et l'actrice Betty Tautel. C'était notre invité du jour dans Une femme, une histoire. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.